Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser un gratin de courgettes encore plus simple. Pour réaliser votre gratin de courgettes, il vous faudra donc des courgettes, de la crème fraîche épaisse, du gruyère râpé et du sel et du poivre, c'est tout. Après avoir préalablement lavé vos courgettes, on va les couper en morceaux. Voici. Maintenant, je prends mon cuit-vapeur. Et je mets à cuire 20 minutes. 20 minutes ou plus suivant la grosseur des courgettes. Pour cela, il suffit de piquer la courgette quand elle est tendre, elle est cuite. 20 minutes plus tard, je vérifie si mes courgettes sont cuites. Avec la pointe du couteau, je pique et comme vous voyez, ça rentre tout seul. Donc, mes courgettes sont cuites. Maintenant, je vais les égoutter. Ceci. Avec un ustensile, je presse délicatement pour enlever l'excédent d'eau. Comme vous voyez, l'eau s'évacue. Il suffit de presser légèrement. Ça suffira comme ça. Ensuite, je vais mettre mes courgettes dans un saladier. Je vais les saler poivrer. À votre convenance. Attention au sel parce que le gruyère râpé amène du sel. Maintenant, je mets du gruyère râpé. De la crème fraîche épaisse. Soyons généreux. Je remue. Vous voyez, il n'y a pas de plus simple. Je prends mon plat gratin. Et voilà, je mets au four à gratiner. 15-20 minutes plus tard, mon gratin de courgettes est prêt. Et voici, régalez-vous, c'est très simple.